Salut les banjo fans, c'est Axel, créatrice originale de la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo. Comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon setup habituel. Eh bien, je suis à Anglet, en stage actuellement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière, un peu fun. J'ai envie de partager une passion que j'ai. Certains l'auront déjà deviné, certains auront lu le titre de la vidéo. Mais il s'agit bel et bien des tours de magie. Donc, déjà pour ce tour de magie, on va prendre un petit paquet de cartes. Un petit paquet de cartes classiques. Oula, excusez-moi, je suis hyper bourrée. Hop. Je l'ai acheté, je ne l'ai pas acheté. Il était dans la maison dans laquelle je vis. Car figurez-vous que je vis dans une maison. Oui, je raconte un petit peu ma vie. C'est comme ça, en attendant de mélanger les cartes, quoi, pour faire passer le temps. Petit tricks. Hop là. Pas très bien fait. Merde. Raté. Deuxième. Second échec. Un peu humiliant. Hop. Vous pouvez mélanger aussi si vous voulez. Hop. Je ne regarde pas. J'ai littéralement les yeux fermés. Je sais que vous ne me croyez pas. Donc je vais retourner le téléphone en fait. Alors. Voilà. L'écran est retourné. Je ne vois pas. Je ne veux pas le prouver, donc croyez-moi sur parole. Alors, première règle du magicien, toujours bien s'essuyer la bouche au cas où une jeune femme ou un jeune homme veuille vous embrasser à la fin. Les magiciens sont très populaire, première règle de magie. Là, une fois que j'ai bien mélangé spectateur, je vais te demander de prendre la première carte. Imaginez, ok, que vous êtes en ma présence, les banjo fans. Donc, ça pioche la première carte. Hop, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est comme carte? Moi, je sais pas, car je triche pas, en fait. Sauf que cette première carte, moi, franchement, elle me saoule un peu. Donc, je vais faire quoi, en fait, tout simplement? Je vais la mettre... en bas du paquet. Et je vais faire ça avec une autre carte. Et puis une autre carte parce qu'on sait jamais. On connaît les faux tours de magicien où en fait la carte elle n'est pas vraiment là. Mais là je me dis c'est sûr, il y a quatre cartes. Sauf que cette carte là, elle est trop. Elle fait que remonter, wesh. Tout le temps elle veut que remonter. Pa, 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 pa. What the fuck? What the fuck? Et voilà! N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à mettre en commentaire si vous voulez un autre tour de magie. Je suis seule, je n'ai rien à faire. Non, je rigole, j'ai une piscine, des chats, la mer. Je ne suis pas à plaindre. Non, je ne bois pas seule, j'ai plein d'amis. Voilà, voilà, les petits loulous. Bon, je suis un peu votre pute là, donc je peux faire un peu ce que vous voulez. Je remets mon visage une dernière fois parce que j'ai regardé la vidéo et on voyait rien. Et je sais que le tour de magie c'est important, mais on a envie de voir ce joli petit minois. Merci d'avoir regardé. Gros SO à la team magie que j'adore. Félix et Audrey, c'est Félix et Audrey. Gros bisous aux banjo fans tout entier. Bisous à ceux de la classe qui sont en stage. J'espère que ça se passe bien. Bisous à ceux qui sont en vacances aussi. J'espère que ça se passe bien également. Bisous la team magie. Bisous les banjo fans. J'espère que ça vous a inspiré à faire plein de petits tours de magie. Comme j'ai dit, commentaire, dites-moi de faire des tours de magie. J'ai pas tant envie que ça, mais si vous me demandez, je le ferai. Bisous, bisous, Benjamin et tous les amis. A plus les bébés.